Vitigliano, hameau de Santa Cesarea Terme, a des origines anciennes qui remontent à l'âge des métaux. Situé le long de la route qui autrefois liait Vaste à Castro, il a toujours été le carrefour routier qui reliait entre eux les villages ruraux voisins. Placé à l'entrée du village, il y a les célèbres Cisternales, un barrage creusé dans la roche, datant peut-être de l'âge du fer. Il permettait l'approvisionnement en eau pour les communautés rurales situées dans l'arrondissement. Le visage du centre historique de Vitigliano est caractérisé par l'église mère, construite en 1726 et dédiée à l'archange Saint-Michel. À quelques dizaines de mètres de l'église mère, on peut voir la chapelle de San Rocco, à l'intérieur de laquelle il y a la statue du saint compatron, fêtée comme d'habitude à Vitigliano les 21 et 22 août. Chaque 21 juin, on fête au contraire Saint Louis de Gonzague. Pour l'occasion, la statue du saint est portée solennellement en procession. Et elle est accueillie par les fidèles avec des décorations réalisées avec des feuilles de palmier. La fête de Saint-Louis est très importante parce qu'elle marque la fin du printemps et le début de l'été. Dans l'architecture urbaine du Borancien, on peut facilement noter la façade de Palais Ciullo, exemple d'architecture nobiliaire salentine. À côté de l'entrée, il y a le petit oratoire dédié à la Vierge Immaculée, enrichi par un petit clocher-mur placé au sommet de l'édifice. Palais Gargasole est le lieu de la culture de Santa Cesarea Terme. À l'intérieur du noble édifice, il y a les musées des horloges et des tours civiques. En effet, dans ces salles, il est possible d'admirer les horloges et les mécanismes à temps qui autrefois étaient positionnés sur la tour municipale de Santa Cesarea Terme, de Vitigliano et de Cerfignano. De plus, il est possible de visiter l'intéressante exposition permanente dédié aux anciens fossiles. Il s'agit d'une intéressante collection qui permet d'admirer les différents minéraux et les restes des anciens animaux marins retrouvés à l'intérieur des roches salentines qui ont conservé silencieusement ces magnifiques joyaux. Près du calvaire se dresse l'église de Maria Santissima Dolorata, édifice lié à l'homonyme confrérie de Vitigliano et totalement réalisé en carparo et pierre de Lecce. Vitigliano se montre capable donc de combiner l'ancien et le nouveau. Il est charmant de se promener parmi les ruelles du petit centre historique, ou le long des chemins de terre battue qui traversent les champs et les murets des pierres sèches, où les couleurs et les parfums de la terre rappellent l'ancienne histoire du Salento.